Allez, salut tout le monde, c'est Signer. On se retrouve pour une petite vidéo vocation aujourd'hui. Parce que voilà, on a beaucoup de diams, c'est dur de résister. Soit je refais un cycle Lost Vein, mais je suis pas trop chaud. Soit j'essaye de choper quelques persos ici, parce que quand même, ils sont bien pratiques. J'arrive pas trop à dropper des trucs pour l'instant, donc pour les trucs pour monter les vêtements là. Donc voilà, on va tenter, mais bon, on va s'échauffer. On a là le petit SSR garanti pour 30 diams. On va commencer par ça. On espère avoir un doublon d'Arthur parce que je l'utilise en démon rouge infernal et que l'aspect 1, bon, c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Et que j'ai eu peut-être plus de SSR sur ce là, donc sachant qu'il a 5 fois plus de chances de tomber lui quand on a un SSR. Un ballon de jamais avoir eu de doublon de lui. Hop, et bah écoutez, ça fait 15 tirages, je crois que j'ai eu au total 3 SSR. Ah non, j'ai eu un 4ème. On a vaincu. On a vaincu l'Albion, les gars. Alors, on va faire des suites. Yes, petit doublon Arthur. Ça sent bon pour cette vidéo invocation, les gars. Très très bien. Petit doublon Arthurito. Hop. Ensuite, on va faire les tickets SSR partie 1. On espère dropper du Ban Nunchaku ou du Capitaine Meliodas. Parce que moi je veux SP 6 pour quand il y aura la tour. J'aime bien. Je le trouve très fort Capitaine Meliodas avec son contre, il est vraiment très très fort. Qu'est-ce qu'on espère d'autre? Éventuellement de la Diane combattante. Même si j'ai commencé à monter la Diane verte, donc ça me ferait chier d'avoir celle-là, mais bon, c'est pas grave. Pour le support de King, évidemment. Donc soit du Ban Nunchaku, soit du Capitaine Meliodas, soit de la Diane combattante. Le reste, ça nous intéresse pas du tout. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas encore mis l'animation Lost Vein, et je trouve encore plus dommage que l'animation Lost Vein ne signifie pas deux SSR garantis comme celle d'Escanor. Et ce n'est plus seulement un SSR, je trouve ça. Je sais pas, je comprends pas trop ce choix-là. Mais bon. En parlant du bro Escanor, il va venir nous secourir dans cette petite vidéo. Allez, fais-moi plaisir, notre marble. Oh là 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 là. C'est bon ça. On a les deux qu'on a demandé pour l'instant. Ok. C'est le rouge, ça va, j'accepte. Yes. J'ai pas encore SP 6. Ok, Erline, ça va les cacahuètes. Encore Erline, je vais préférer un deuxième Captain Meliodas pour vous dire, mais bon. Pas très grave. J'ai quoi la SP 6, je crois, au final, hein, à force. Est-ce qu'ils vont cliquer en dessus, ils me disent combien j'en ai, non? Pas très grave. J'ai pris le pack un jour à SSR, donc je referai sans doute une deuxième vidéo plus tard quand j'aurai à nouveau 5 tickets. J'aime bien faire les invocations par 5. Au moins on a des belles animations. Il y a qui en race 1? Parce qu'à tout moment je vais acheter un ticket là. Enfin, c'est les mêmes quoi. Non, rien d'intéressant à part cette Diane là qui m'intéresse. Donc non. Ah, il y a Escanor. Ouais, mais bon. Avec ce pauvre taux, ouais, c'est bien 6% par rapport à les dieux. Bon. 0,2 pour les scanners, ça fait quelques 0,4 pour un perso qui m'intéresse, on n'y croit pas trop. Ok,
Allez, les petits tickets RSR, là, tout ça. On a du SSR avec ça, alors pourquoi pas. On y croit. On n'y croit plus. Ah, nickel. Allez, ça commence pour les vraies invocations maintenant. On va essayer d'avoir Meliodas démon vert. C'est le seul qui est utile en dehors du sub. C'est le seul qui peut aussi servir pour certains contenus en combat. D'ailleurs, je pense le tester sur le démon infernal gris parce que il est vert et que ses deux attaques sont à distance, si je ne me trompe pas. À vérifier, mais en tout cas, il sera plus utile que beaucoup des autres persos verts que là. Donc, on a que 4 tickets offerts, c'est un peu bidon, hein. On va pas se le cacher. On va commencer quand même par les petits tickets un par un. Peut-être que l'un de. Ah, j'aurais pas dû, parce que peut-être. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Il y a une deuxième semaine. Ah, je vais arrêter là. Deuxième semaine, normalement, ça m'aurait étonné en tout cas. Qu'ils fassent pas en sorte qu'on puisse en avoir 11 histoire de faire un tirage, 10 ou 11. Donc là, je crois que je me suis baisé. Si jamais dans la deuxième semaine, ils sortent un contenu qui permet d'avoir les tickets nécessaires, ben, j'aurais à un ticket près. Pas de quoi faire une multi. Bon, c'est pas très grave, mais c'est dommage. Alors. C'est un gain de temps pour les multiples, parce qu'on n'a qu'un plus. C'est un gain de temps et de tirage. Donc on en a 11 au lieu de 10 de perso. Et puis surtout, au lieu de faire un par un pendant 10 persos, il y a une seule animation. On gagne 10 fois plus de temps. Bon, ceci dit, je pars. Et on avait une belle animation là. À la fois les étoiles filantes. Et à la fois la bonne marque du démon, donc à tout moment. Ouh, 3 SSR, merde, j'ai pas le temps de screenshot. Fuck, j'en ai du screenshot pour la miniature de la vidéo. 3 SSR, incroyable. 3 SSR sur cette multi, les gars. Oh là 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 là. Il faut Meliodas démon vert dans le lot. Ok, ça c'est fait. Allez, donne-moi Meliodas démon vert et un autre et on est bien, on arrête là en vrai je pense. Ah, je suis trop deg de pas avoir eu le temps de screenshot là. Elaine, ok. Je sais qu'elle est plutôt demandée. Mais je veux Meliodas démon vert s'il vous plaît. Yes. Incroyable. Incroyable les gars. Je crois qu'on va arrêter là. Après j'ai pas le temps de screenshot, c'est trop dommage. On va arrêter là parce que on a eu le SSR qu'on voulait, on en a eu deux autres en bonus. Chacun de ces SSR coûte comment on appelle ça? Ah. Des cosmétiques, donc on va aller, vu qu'on a pas mal de chat, on va utiliser les trois tickets et on va arrêter là. Et peut-être, je crois qu'il me reste 600 diamants, peut-être qu'on va se chauffer à faire 600 voire 900 diamants sur la bannière Lost Vein d'ici la fin de la bannière, mais probablement je vais les faire aujourd'hui, je les sortirai dans une autre vidéo. Je vais voir en fonction de combien il me reste de diamants après avoir acheté les cosmétiques. Vérifier ce que permet les persos que j'ai obtenus, parce que je ne me rappelle plus exactement qui fait quoi, à part Lost Vein qui permet de faire apparaître le démon Olex. Et Lost Vein. Il y a Dasver qui fait apparaître le démon Olex. Mais moi je suis surtout intéressé par les personnages qui permettent de gagner des bonus. En termes de reward sur les démons justement pour pouvoir ensuite augmenter mes cosmétiques. Voilà. Plus que de faire pop qui je veux quand je veux, ça m'intéresse à moitié. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a régalé autant que moi parce que c'était le feu. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, beaucoup de luck sur vos tirages. Pensez à vous abonner, à commenter et compagnie. Allez, ciao les gars.